Le quartier Euralille s'agrandit avec cette tour installée sur la dernière parcelle disponible du projet initial Euralille, la tour Euravenir, visible du périphérique. Elle trône au croisement de l'avenue Le Corbusier, de la rue du Faubourg de Roubaix, en face du Crown Plaza. C'est un immeuble design qu'ont souhaité les architectes, avec une façade faite de cuivre, de verre et d'acier. Au total, 3 500 mètres carrés de surface de bureaux pour développer davantage ce quartier d'affaires. Nous avons rencontré les architectes en charge de ce projet. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. On devait rendre quelque part au projet urbain qui s'est installé à partir de 1998 avec Euralille. C'était l'idée que ce petit bâtiment, avec son petit programme, il fallait qu'il finisse toutes les plaques qui arrivaient. C'était un projet très compliqué parce qu'il y avait quatre rues, le cimetière, la sortie de gare. Donc, comment arriver à faire que toutes ces informations puissent être les lignes génératrices de la forme du projet et du coup retrouver le projet comme des projets différents dans chacune de ces situations.